Nous étions là dans le cadre du lancement d'une initiative à destination de notre communauté, une police d'assurance grâce à notre partenaire Woody, que l'on a initié pour permettre à cette communauté-là de bénéficier de cette assurance maladie à moindre frais. Et donc, nous avons mobilisé la communauté, mobilisé les autorités diplomatiques pour que nous puissions ensemble mettre en œuvre ce projet qui émane de la vision du président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui souhaite un Gabon solidaire et qui nous exhorte à plus de solidarité pour que ceux qui ont un peu plus aident ceux qui ont un peu moins. Et donc, c'est pour cette raison-là que nous avons pensé, avec nos partenaires, à mettre en place cette assurance maladie qui va véritablement aider nos compatriotes qui vivent souvent des situations difficiles. Ils sont combien ? Aujourd'hui, pour la première phase, on a 100 bénéficiaires, mais sur une communauté de 10 000 Gabonais. Donc, vous voyez bien qu'il y a encore un réservoir important de Gabonais qui pourraient bénéficier de cette offre. C'est un ballon d'essai. On va essayer avec le partenaire de faire de sorte que ce projet soit concret, pour que ce soit un produit d'appel et pour que derrière, les autorités puissent décider de façon beaucoup plus pérenne, peut-être de mettre en place des ressources qui permettront de faire bénéficier à plus de personnes de cette assurance maladie. Pour nous, c'est une contribution de la Fédération PDG Sénégal, une contribution de la GESABO Sénégal pour accompagner la vision du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et inciter aussi les compatriotes à nous faire confiance pour que le 26 août prochain, nous puissions voter massivement pour le président de la République candidat à sa réélection. Pour savoir le coût que vous avez dégagé pour... Lorsqu'on parle de finances, je pense qu'elle a fait un peu, elle vous a donné un peu quelques précisions par rapport au coût de l'assurance maladie. Elle est de 8 000 plus des frais de dossier 11 000, donc 11 500 à peu près. Et nous avons supporté 100 personnes, prise en charge la totalité de ces 11 000 pour 100 personnes. Donc ça vous fait un petit million que nous avons mis sur la table. Et l'idée, c'est de pouvoir faire encore plus. Et donc, si au bout de l'année, les résultats sont satisfaisants, naturellement, le nombre de bénéficiaires va augmenter et ce sera dans l'intérêt bien compris de la fédération, de la GESABO, de la communauté gabonaise au Sénégal à travers son excellence, mais aussi du partenaire Woody.